Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le petit kit fabriqué par Sidas qui vous permet d'avoir un petit équipement pour vous réparer les pieds en cas de difficulté lors d'un trail. Alors sur un trail qui est de distance longue, donc entre 50 et 80 km, et ben ça va être intéressant de confier ça à l'un de vos accompagnateurs si vous en avez un. Et si vous n'en avez pas et que vous risquez d'avoir des problèmes au niveau des pieds, et ben vous pouvez toujours le mettre dans votre sac. C'est pas pour le poids que ça prend, et puis ça peut vous sauver si jamais vous risquez d'avoir des problèmes à ce niveau-là. Sinon sur ultra trail, ben c'est quelque chose qui peut être intéressant à mettre dans votre sac de base vie, même si régulièrement souvent il y a des podologues sur les bases vie, ben ça peut vous permettre d'éviter d'avoir une attente et ça peut vous soigner vos pieds si ils sont en difficulté. Alors c'est vrai que les pieds c'est quelque chose dont on se blesse souvent, hein, forcément si on shoot dans un caillou, bon bah ben, nos ongles ils aiment pas, ils sont amenés aussi à tomber, hein, les ongles. Alors ça va peut-être pas se faire sur le moment, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et donc ce petit kit là, donc il est composé de pansements pour vous soigner les pieds. Donc alors ça peut être aussi pour les ampoules, hein, forcément une chaussure qui serait peut-être pas bien adaptée, bien serrée ou un peu neuve ou quoi, ça peut vous occasionner des ampoules des fois. Et ce kit peut vous sauver cette partie là. Donc ça peut être intéressant. Il y a aussi des petits capuchons que vous pouvez mettre sur le bout des pieds. Alors moi je l'ai testé, j'ai testé uniquement le capuchon pour le gros doigt de pied parce que ben, j'avais shooté dans une pierre au trail d'Alberac l'année dernière et mon doigt de pied, enfin mon ongle a fini par tomber. Et donc ça m'a protégé le bout du pied pendant quelques temps. Et c'est quand même agréable quand on va courir d'avoir de pas avoir long, enfin le pouce à nu quoi, donc ça m'a bien aidé. Donc il y a aussi deux crèmes dans ce kit là. Donc alors une crème qui est effet cryo, ils appellent ça. Bon, c'est un petit peu marketing, hein, on va pas se le cacher. La cryothérapie, le gel ne remplacera pas une séance de cryothérapie, soyons clairs. Malgré tout, moi je la mets dès que j'ai près des grosses séances, je mets cette crème là parce que j'ai un tube qui est un peu plus important, ils font des tubes plus grands aussi. Et je la mets après et je la trouve aussi efficace. Ils ont aussi une crème dedans qui est une crème anti-frottement. Alors c'est un peu l'équivalent de la crème NOC. Je la trouve aussi efficace, j'ai testé les deux. J'ai pas trouvé vraiment de différence. Moi je les trouve toutes les deux aussi efficaces l'une que l'autre. Donc c'est ce petit kit là que je vous invite à prendre sur vos trails si vous risquez d'avoir des douleurs au niveau des pieds, ou à mettre dans vos sacs de base vie, ou à confier à un accompagnateur. Ça pourra vous sauver si jamais vous êtes en difficulté sur ce point là. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour la présentation du Foot Car Kit fabriqué par Sidas. Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François, bye bye.